Oui les amis, Gohan Seijido est dans le jeu, mais on peut pas le jouer, son portail n'est pas sorti et il sortira demain matin. Oui, encore une fois je rappelle, parce qu'il y a des personnes qui nous contredisaient et qui me contredisaient hier sur la vidéo notamment, quand je disais que c'est pas parce qu'il y a une mise à jour des tirages que le personnage et le portail sort directement. Il peut sortir plusieurs jours après, c'est juste histoire de mettre les datas dans le jeu. Et ça c'est important à retenir pour les prochaines fois, parce que c'était toujours comme ça. En fait, les gens qui se posent cette question, c'est les gens qui jouaient pas avant, ça se voit. Parce que l'All-Star, pour ceux qui se rappellent, c'est toujours ça. Mise au mercredi, sortait même le vendredi, voire le samedi. Donc c'est la même chose pour ce Gohan. Pourquoi? Bah parce qu'apparemment le 29, il y a un truc sur The Breakers. Enfin, il y a plein de trucs sur plein de jeux de Bandai en fait le 29. Donc ils ont décidé de tout faire le 29. Pourquoi aussi? Je pense pour le côté que le 29 c'est un jour un peu rare où on a une fois que tous les 4 ans. Voilà. C'est zéro autre explication ça. Ça me saoule parce que moi je voulais invoquer aujourd'hui puis j'avais tout prévu. Donc les gars, on va aller parler de Gohan parce que du coup on connaît bah, son kit en entier. Ça, il n'y avait pas de souci, on le connaissait. Et pour l'avoir relu hier en live, c'est le meilleur personnage du jeu. C'est le meilleur personnage de Dragon Ball Legends. Et honnêtement, il met une petite marge. Alors, les gens qui joueront Super Saiyan 7 pourront totalement jouer Super Saiyan 7. C'est toujours un excellentissime personnage, mais il va faire trop mal. C'est-à-dire qu'en fait, ce matin, quand vous regardez les stats, alors, je rappelle ici, on va voir les stats avec Arbus. Donc ça, ok. Mais on va voir les stats avec Arbus, mais sans les titres. Et je rappelle que les titres, vous pouvez rajouter entre 3 et 4 000 pour les titres. Donc on arrive à des valeurs offensives à 270 000 et des valeurs défensives à 190 et 193, voire 194. Donc défensivement, c'est quand même très énervé. Le seul pool qui est mauvais, il faut le dire, c'est son pool de force. Son pool de force a été énormément critiqué ce matin sur Twitter et à juste titre parce qu'il n'a pas beaucoup de force. Mais c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Déjà, on le sait, première chose, il a la survie, il a une survie au chaos. Ok, déjà c'est la première. Mais la seconde chose, pourquoi c'est important qu'il ait pas trop de force? Parce que les gars, en Métis Saiyan, ça va être un des seuls personnages du jeu en Proud, donc avec le nouveau PVP, qui va être pouvoir jouer avec une cape ZHP jouable. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir 3 millions 4, ok? Mais en fait, avec point, il va pas avoir 3 millions 4, les gars. En fait, tout le temps, il va avoir 2 millions 4, il va avoir 2 millions 7, 2 millions 8, régulièrement. Et sans aucun problème. C'est pas comme les autres persos où tu dois mettre une cape ZHP et faire une concession, te dire ah faut que je mette une cape ZHP mais dans la team le personnage n'est pas jouable. Oui, mais en Proud tu ne dois pas faire ça. Il faut pas que t'aies de personnages des vieux personnages injouables. C'est très compliqué en tout cas de mettre ça dans la team. Donc à partir de là, ou alors si tu fais cette concession, faut que ça soit monstrueux le gap en fait que tu apportes. Donc à partir de là, bah en fait, et c'est surtout que le perso, vous allez voir, il a accès à des items HP et des nouveaux items, parce que c'est surtout ça qu'on va parler aussi. C'est tous les nouveaux items. Bon, il est vert, ça on le savait. Donc je vous ai préparé quelques teams. Si bah, demain vous voulez préparer ça, et ben je vous invite à regarder ce que je vous ai préparé. Alors j'ai préparé une team qui va être jouable hors Proud, parce qu'on sait pas combien de temps va durer le fameux nouveau mode PVP, mais je vous ai préparé quelques teams. Déjà, premièrement, c'est celle-là. Celle-là, je vous la crée, et celle-là, pour moi, elle est en dehors du Proud, même si je suis quasiment sûr que dans le Proud, vous allez pouvoir faire quelque chose. Bah, en gros, c'est de jouer le trio du haut, hein, le trio infernal, si je puis dire, le trio qui pourrait dominer la méta si jamais il n'y avait pas le Proud, parce que, bah, en fait, vous voyez derrière, il y a des personnages qui sont relativement injouables, même si, attention, Ultimate Gohan, qui n'est pas si horrible, parce que je rappelle qu'Ultimate Gohan, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait obtenu son item, ce qui fait que, bah, comme la plupart, en vrai, vrai, il est capable de taper un petit peu. D'autant plus qu'en plus, vous jouez Gratiaman, donc vous avez un côté support un peu sur la team, et puis même Trunks Rouge est jouable. Donc, c'est pas si horrible en Proud, parce que la deuxième, bon, vous allez sans doute la perdre, la deuxième, on va être très honnête, mais la troisième, en vrai, de vrai, soit le mec la refuse, mais il va perdre des points en rang 70, donc je suis pas sûr qu'il le fasse, et s'il l'accepte, et c'est justement le but, c'est que tu vas pouvoir prendre Gohan Beast, Gohan, et Trunks, t'auras deux sur vos KO, et ça sera largement jouable. Donc, voilà, ça, c'est la petite team en question, les items, on va aller voir après, ok? Parce que là, dans cette team, bah, évidemment, il y a une cape ZHP. On a également quelque chose qui va ressembler à ça. Ça, c'est Métis Saiyan en Proud. C'est-à-dire que vous allez voir une Métis Saiyan littéralement un petit peu multicouleur. Alors, si jamais, au grand jamais, vous n'avez pas Gohan et CJ2 par exemple, je vous invite, et bon, je pense que même c'est une meilleure option, c'est de mettre Trunks ici. Comme ça, Trunks va donner une cape Zenkai et à Pan et à Gohan Beast, qui est super intéressant pour les deux, parce que vous savez, les deux sont très avares de cap Zenkai. Gohan, bah là j'ai mis Gohan EX en premier, mais ça sera le Gohan Ultra évidemment, mais vu que je l'ai pas, je peux pas le mettre. Donc vous avez bien compris. Et du coup, à partir de là, bah, vous avez une cape ZHP dans la team. Vous avez des DPS qui seront un peu, qui seront même Beast, Trunks et le nouveau Gohan Ultra qui va être... DPS, c'est un peu faible de dire le mot DPS, mais...
Bref. Donc voilà, Bra qui va être côté support, Pan qui va être côté support et Gotenks qui va être là pour temporiser. Je rappelle que Gotenks dans le mode de jeu, moi je l'aime beaucoup. Même s'il prend très cher face à Super Saiyan 7, ça va rééquilibrer un petit peu certaines choses avec Gohan, je pense. Je pense que ça peut être une option jaune. Si vous voulez mettre autre chose, je pense pas que Mirai Gohan soit une meilleure option. Très honnêtement, je pense que derrière, on est sur ce qu'on peut. Sinon, vous avez Pan aussi. Pan peut peut-être faire l'affaire, potentiellement. J'aime bien Gotenks pour le côté réduction de temps d'attente sur vos KO. Et vous allez voir, drop de verte pour Gohan, parce que comme vous le savez les gars, Gohan il a un open save, donc à partir de là, on va essayer d'en profiter. Donc ça c'est Métissaine en Proud, qui va être super intéressante et qui va être super forte. On a autre chose aussi les gars, c'est, alors j'ai tenté parce que c'est plutôt but d'une saga Cell. Alors il y a une team que je voulais build avec vous, c'est le principe de la vidéo, c'est qu'il y a une team que j'ai déjà build et je vais essayer en build une avec vous pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. Ça c'est une saga Cell. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous avez la capsule de Super Vegeta, Gohan Ultra, la capsule de C16, deux persos free to play qui sont quand même des capsules. Et celle lui qui va pas capsules, mais au bout d'un moment, t'en as plus, tu peux plus faire mieux. Donc, je pense que ça reste plus ou moins une des meilleures options de la saga Cell. Ou alors, c'est de jouer avec des capsules Zenkai, mais dans ce mode de jeu-là, ça ne s'y prête pas vraiment. Donc, aussi, faute à eux hein, d'avoir délaissé la team et les Cap-Z pendant trop longtemps. Ce qui fait que là, la team en empathie, ça se voit. En empathie, ça veut dire. Ça se voit. Donc voilà. Et puis en plus de ça, ben, quand vous êtes en saga Cell, vous pouvez avoir accès à cet item qui va être super fort hein, quand même. Parce que vous allez jouer avec un cyborg ou avec un saga Cell. Vous êtes obligé de jouer Gohan avec un cyborg vu qu'il y en a 4 pour le coup. Donc vous allez avoir en plus de ça un item HP. Donc ça, c'est cool. Même si là, il n'a pas de Cap-Z HP. Donc là, les items HP, si vous jouez 5 pans par exemple, vont être indispensable. Je vous propose qu'on build ensemble une team et après on va parler des items parce que je pense que ça vous intéresse énormément et au lieu de poser des questions je vous invite à aller voir la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des gens des fois ils me posent des questions. On va jouer en famille Goku, oui famille Goku, ça va être assez important. On va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire du coup quels sont ses Cap-Z de base à ce Gohan. Et ben super, il faut que j'aille voir dans la liste des persos si on va voir ça. Je crois qu'il est Métis Saiyan, Saga Cell et peut-être famille Goku, je pense qu'il a peut-être les deux. Alors, Saiyan, Métis, famille Goku. Ouais, ah, il est même pas Saga Cell. Waouh, donc faut le mettre en leader. Métis Saiyan, famille Goku. Ok, donc il est Métis Saiyan, famille Goku, le perso. Donc on va pouvoir faire ça. Alors, est-ce que, parce que moi, pour moi, ce qui, vous êtes d'accord, Gohan, il va être vert. Il a pas de nullification défensive. Donc, s'il y a bien un personnage dans le jeu qui va pouvoir lui faire mal, enfin, les persos qui vont pouvoir lui faire mal, c'est les personnages violets. Sauf qu'en famille Goku, il a le plus grand sniper de l'histoire des violets. Donc, ce qu'on va potentiellement faire, c'est voir un petit peu, et je pense que vous l'avez vu déjà, c'est que Migaté, les gars, malheureusement, Migaté n'a pas de Cap-Z famille Goku. Donc, si on veut jouer en famille Goku, on va devoir enlever ça. On va devoir, mais on s'en fout, hein, peu importe. Hop, on va faire comme ça. C'est-à-dire que Migaté sera en leader, et le Gohan, justement, notre cher Gohan, va être ici. Vous allez dire, ah, mais il n'aura pas sa Cap-Z Ultra. Vous inquiétez pas, sa Cap-Z Ultra, c'est Métis Saiyan. Donc en fait, il vous suffit juste de jouer un bon Métis Saiyan et au final, vous perdez, 5% de dégâts. Je pense que si la team est très forte, vous pouvez faire la concession sans aucun problème. C'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir jouer, honnêtement, quelque chose comme ça très facilement. Vous allez pouvoir jouer. Et ça, ça vous fait un slot de personnages mauvais, en fait. Regardez, hop, hop. Et parce qu'en fait... Gohan les gars il va faire extrêmement mal aux bleus. C'est les rouges qui vont bénéficier beaucoup de cette mise à jour. Parce que les bleus qui sont CI7 MVP, qui sont Janemba par exemple ou d'autres, même le tag Goku Bardock, vous n'êtes pas prêts hein. Parce que encore une fois open safe lock, derrière le bleu il va se faire arracher, ça va être légendaire. Ça va être légendaire. Donc, derrière, vous pouvez mettre Trunks Dôme de Chaleur sans aucun souci. Je rappelle que Migaté de base n'est pas joué avec une Cap-Z Zenkai. Donc là, vous pouvez faire mal au jaune du jeu. Vous pouvez faire mal au bleu du jeu, mais alors là, ça va être légendaire. Mais vous allez aussi pouvoir faire extrêmement mal si à l'avenir, ou même s'il y a des mecs qui se mettent à jouer des violets. Je pense à C17 Hellfighter et Cell violet en cyborg. Ah bah là, vous êtes plutôt bien. Là, vous êtes plutôt bien à ce moment-là. Donc, ça, c'est une chose. Et derrière, on va aller voir ce qu'on pourrait combler en famille Goku. Mais pour moi, je pense que là, là, c'est déjà plutôt intéressant. Alors, soit derrière, en vrai, soit vous mettez... Ah ouais. Parce que c'est vrai que lui, il n'est pas famille Goku. Mais en vrai, c'est vrai que lui, il n'est pas famille Goku. Mais honnêtement, est-ce que c'est si grave que ça? En vrai, presque faire ça.
ce serait pas si loin de faire ça. Hein. Tu mets une cap Z Zenkai, il est capable de donner du support. Je suis sûr, il y a un monde, tu fais quelque chose. Donc ça, c'est dans l'optique où tu joues avec une cap Zenkai sur les deux rouges. Et si tu veux pas, tu peux presque faire ça. Parce que c'est Famille Goku et tu donnes une cap Z Amigaté. Ça aussi, c'est jouable de fou, mais il y a plusieurs versions. Hein. Il y a autre chose qui va être jouable aussi, presque même, c'est pas en bleu. Pas en bleu qui serait une cap Z Famille Goku, qui va en plus cap Z Kid Goku. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être fort. Parce que là, il y a plusieurs vérités, en fait. Là, est-ce que vous voulez, il y a plusieurs vérités. Là, il est bleu, mais il faut partir du principe qu'il est vert, évidemment. Hein, donc, pas, on va pas le cap Z, mais cap Z Zenkai. Mais pourrait même... En vrai, c'est bête ce que je vais dire. Hein, mais si jamais vous avez besoin d'un violet pour contrer des verts, la vérité, que c'est pas ridicule. Je sais qu'il y a des gens qui vont crier, voilà. Perso, il a un support. Il a une cap Z pour la team. Cap Z Blast, c'est super. Il a une survie au KO. La vérité, je vous jure que c'est pas ridicule. Moi, pour l'avoir de 12 étoiles, c'est pas ridicule du tout. Parce qu'il peut être entouré de rouge en plus pour le protéger de Migaté. Oh putain, oh là là. Ça demain, soyez prêts. Ça demain, ayez la garde. Ayez la garde pour ça demain. Vous allez pouvoir. Oh là, vous avez accès à 6 items. Alors, les items purs sont moins forts dans ce mode de jeu. Non, vous avez accès à des items de fou parce qu'il y a l'item Famille Goku aussi qui est ici. Il y a l'item Famille Goku aussi de la coop. On va aller voir après, mais c'est honteux. Et ensuite, une dernière team, ça c'est plutôt la team fun que je vais vous donner. Mais alors, pourquoi elle est pas si bête que ça, cette team? Parce que en vrai, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir double cap ZHP dans la team. En gros, les gars, je mets Charlotte en leader. Vous allez dire c'est débile, hein. Mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Charlotte et CJ2 en leader. Pourquoi Charlotte et CJ2 en leader? Charlotte et CJ2 en leader, vous êtes mais tellement pas prêts de comment ça va être jouable en rang god. Ça va être jouable en rang god. Je vous préviens direct. Le personnage, lorsqu'il switch out, donc lorsqu'il va donner du support, lorsqu'il part de la team, le personnage... Merde, une fois transfert, j'étais en train de chercher parce que je sais que c'est ici. Voilà. Le personnage, il va... Je vais y arriver... Là, lorsqu'il se replie, les efficiences s'appliquent aux alliés. Il augmente de 20% les dégâts des alliés, ok. 40 de vitesse de récupération de ki. En plus, si les personnages sont Super Saiyan 2 ou exclusifs au jeu, augmente de 20% les dégâts infligés et augmente de 30% le taux critique. Donc ce personnage va donner 40% de support à Gohan et CJ2, du crit, encore 35% strike ici. Et il a une survie au KO. Et en plus, c'est une cap ZHP. Vous commencez à comprendre pourquoi là, Charlotte, il a un intérêt. D'autant plus que dans la team, je lui ai mis l'aspect de CI7 MVP qui donne une carte verte. Carte verte avec laquelle tu peux open safe avec Gohan. Ça, mais en fait, ça, c'est fun. Mais je peux vous assurer que ça va être fort. Non, mais sans troll. Hein. Parce que du coup, Gohan Beast, 2 cap ZHP. Pan, 2 cap ZHP. Bras, 2 cap ZHP. Bref, quand tu vas les jouer avec... T'auras 2 caps ZHP. Du coup, tu vas te retrouver avec des persos comme Gohan Beast qui vont taper très facilement les 3 millions 8, 3 millions 9 d'HP. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et ça, vous voulez pas cette fumée. Non, vraiment, ça, c'est fun. C'est fun. Ça peut être rigolo. Et ça peut être très rigolo parce que Charlotte, mine de rien, bah, il a une survie au KO. Il va avoir une spé qui apporte des vertes. Il va cycler la team parce que la verte, elle réduit le temps à temps des alliés un peu comme Pan le fait, tu vois. Alors oui c'est pas... Voilà c'est Charlotte, mais lui-même aura 2 ZHP, donc lui-même, il a en plus un item HP ici. Waouh. Donc maintenant, allons voir un petit peu les items qui sont sortis pour se donner un avis là-dessus. Déjà, l'item du front multivers. L'item du front multivers, les gars, c'est un item Métis Saiyan. Donc vu que c'est un item Métis Saiyan, vous allez devoir le jouer avec 3 Métis Saiyan. La première ligne, c'est attaque 10%. C'est pas mal parce que c'est des lignes qu'on appelle des lignes flat, c'est-à-dire des lignes vraiment de stats. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui vaut le plus presque maintenant vu que t'as moins l'omniprésence de boost et de cap ZHP. De cap ZHP. Défense strike 20%, attaque strike jusqu'à 10% si tu joues 3 Métis Saiyan. Défense blast jusqu'à 20% et attaque blast jusqu'à 10% si t'as 3 Métis Saiyan dans la team. Donc il faut le jouer vraiment avec 3 Métis Saiyan à fond. Si tu veux jouer Gohan en Famille Goku, il ne faut pas le faire. Donc c'est un très bon item, honnêtement. Si vous voulez jouer en Métis Saiyan, c'est bien parce qu'il n'a pas que des items purs, des lignes pures, comme là notamment l'item qu'on connaît tous de Métis Saiyan. Alors là,
cet item là en PVP proud, il va être incroyable. Parce que comme vous voyez, Gohan, son petit défaut, c'est qu'on va avoir besoin d'HP sur le personnage. Et évidemment, le nouvel item du Time Rush va lui appliquer et lui donner exactement ce qu'on voulait. C'est-à-dire, défense strike jusqu'à 30%, défense blast jusqu'à 30%, force jusqu'à 10%, dégâts de spé jusqu'à 10%. Pour moi, l'item là, demain, dans le mode de jeu PVP à l'heure actuelle, il est indiscutable et indispensable. Avoir et donner de la def et de la force à un personnage qui a une survie au KO, c'est trop fort. Le personnage ne va clairement pas de manquer de dégâts, c'est le plus grand DPS du jeu. Donc le seul côté qu'on va être un peu, c'est la défense. Il a déjà un item def qui est incroyable. Moi, je vais aller farm direct parce que pour moi, il est indispensable. Évidemment, éviter de farmer l'item avant d'avoir le perso. Ça, c'est toujours... voilà. Donc ça... Clairement, très très important. Donc déjà là on a deux items qui peuvent être potentiellement titulaires sur le perso. Et de toute façon c'est pas hyper surprenant encore une fois qu'il soit capable de sortir des items comme ça, je m'y attendais. Vous avez également l'item du Legends Ranking qui va être accessible parce qu'il est blast. Donc ça c'est de la ligne pure mais c'est 45% blast. Donc honnêtement vous mettez cet item là en médecine et les deux autres items que je vous ai montré, vous êtes déjà bien. Cet item là est pas horrible parce que vous donnez de la force, honnêtement. Vu que vous donnez de la force c'est pas si horrible. Cet item là il est bien. Le système là, vraiment en saga cell, très très bien. Deux lignes normales, deux lignes pures et de la force. Parfait pour le perso. Et après, vous avez des... Alors, ce système là, encore une fois, le problème, c'est que dans l'autre mode de jeu, il serait incroyable. Hein, parce que vous aurez 24% pur, c'est une honte, ce système. C'est une honte qu'il soit encore jouable. C'est pour ça que... Encore une fois, c'est pour ça que tu vois qu'avec certains items, on allait dans le mur avec l'ancien mode de jeu. Avec l'ancien mode de jeu, on allait dans le mur. Parce que... Bah, c'était trop. 24% pur direct sur un item, c'est... tu commettais des erreurs que tu pouvais plus récupérer derrière. Là, mine de rien, vu que c'est moins fort, ça reste vraiment, quoi qu'il arrive, moins fort. Vous avez également cet item-là, les gars, qui va être un item à farmer. D'ailleurs, vous pouvez farm directement. Dégâts de spé, dégâts d'ultime. Très cool parce qu'il a une spé qui contre. Défense strike, c'est à 25%. Honnêtement, c'est pas mal. Et dégâts d'ultime, il peut en avoir deux dans la game. Donc, c'est super fort. Et attaque blast jusqu'à 35%. Je pense que cet item, il est pareil. Il peut être potentiellement must-have, honnêtement, sur le perso. Et il y a un tout dernier, parce qu'ils en ont encore sorti un, qui a farm, je crois. Et il faut aller peut-être dans les annonces. Ou quoi, vous savez quoi, on va aller dans les archives. On va aller dans les archives. Je crois que ça doit être un item... De toute façon, doit y avoir... je crois qu'il y a un attribut vert dessus. Il est là. Défense strike jusqu'à 10%, dégâts de spé 10%, défense blast 30%, attaque blast 38%. Il est peut-être même encore meilleur que l'item que je viens de vous montrer. Donc si vous avez un item privilégié, je pense que c'est même celui-là largement. C'est même celui-là largement à privilégier. Qui va être obtenable dès demain les gars, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce qui est de Gohan. Encore une fois, si vous pouvez le hard boost, faites-le. Mais honnêtement, en termes de stats purs, j'ai vu des choses ce matin qui m'ont outré. Comment ça le personnage il a des mauvaises stats? Comment ça? Le personnage il a des mauvaises stats. Je rappelle, j'ai des gens qui oublient que t'as pas les titres. Les titres c'est 4000. Donc le perso il va taper les plus de 270 000 double valeur. C'est très bien. Alors c'est pas comme Migaté, parce que Migaté il a 284 je crois avec l'air boost. 284 voire même 285, c'est monstrueux, ok. Mais le personnage il est tellement complet derrière. Il a pas... Migaté c'est normal, c'est un burst. Lui derrière il a une survie au KO avec 40% de soins. Et donc oui, pool d'HP potentiellement. Et ah oui, ça on l'a pas parlé. Il ramène pas une blast brise armure qui annule l'armure blast. Il en amène deux dans le jeu. Il en amène deux dans le jeu. Donc voilà. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils allaient invoquer. Faites attention. Pour moi, c'est pas un all-in 100%. Pour moi, le personnage, il a de vrais défauts qu'on pourrait voir à l'avenir. S'il y a un gros violet qui sort, il va falloir très bien jouer. Parce que s'il y a un gros violet qui l'attrape, il peut le faire très mal. Il n'a pas l'effet où il peut se barrer des ultimes et des spé. Donc, il pourrait prendre très cher sur des violets. Donc ça, c'est important. Mais je comptais faire cette vidéo pour un peu temporiser. Alors, pour moi, plus le temps avance, plus je me dis qu'il est fort. Par contre, il n'est pas infaillible. Demain, il le sera potentiellement. Pas loin d'être infaillible, honnêtement. Il va détruire le jeu. Je pourrais vous prévenir en termes de dégâts. Vous allez péter un plomb. Par contre, défensivement... Bah quand il y a des gens qui vont le jouer sans HP, qui vont le jouer sans les items HP, sans les items qu'il faut, moi je serai le premier à pointer du doigt ça. Parce que ça c'est de la mauvaise optimisation et du coup on transmet de mauvaises informations sur le perso. Et justement le nouveau mode va nous permettre de voir les items de l'adversaire et de comprendre pourquoi il tank pas potentiellement. Prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et dites-moi ce que vous en pensez des petits teams que je vous ai créés. Ciao.